L'année 2022 s'achève. Elle fera date, car elle marque le retour de la guerre en Europe. Pour l'armée de terre, 2022 a été particulièrement dense. Les objectifs fixés ont été atteints grâce à l'implication et à la détermination de nos soldats. Je vous en félicite. Vous êtes les acteurs de ces succès. Depuis le 28 février, nous sommes engagés dans la mission Aigle en Roumanie, où la France est nation cadre. Au printemps, nous avons renforcé le dispositif Lynx en Estonie. Cet été, nous avons réussi la réorganisation du dispositif au Sahel, avec un retrait du Mali effectué dans l'ordre et la sécurité, en tenant les délais décidés par le président de la République. La mission Barkhane est maintenant derrière nous, même si nous restons engagés au Sahel. Nous y serons différemment. En 2022, nous avons continué à protéger les Français et nous sommes restés au service de la nation, à l'image des renforts qui ont participé à la lutte contre les incendies en Gironde, et des déploiements sentinelles. Outre-mer, nos unités sont restées prêtes à faire face aux contestations de notre souveraineté et aux tentatives de captation de nos ressources. Nos forces prépositionnées, nos sentinelles avancées, ont assuré une capacité d'intervention et de partenariat pour prévenir les crises. En 2022, l'armée de terre, armée d'emploi, a donc atteint les objectifs fixés. Elle continue à le faire au soir de ce passage à la nouvelle année. J'ai une pensée pour les 29 000 de nos soldats qui sont déployés ou en alerte, et en particulier pour les 14 000 d'entre eux qui sont en opération, en France et à l'étranger, loin de leur foyer. En 2022, l'armée de terre a encore payé le prix du sang. J'exprime mon soutien aux blessés et aux familles de nos camarades décédés, notamment en mission ou en opération. L'année 2023 débute. Que sera-t-elle? Je ne peux pas le deviner précisément, mais je sais qu'elle sera marquée par la nouvelle ère stratégique qui s'ouvre. Il nous reviendra d'être au rendez-vous des défis et de forger l'armée de terre de combat dont la France a besoin. L'armée de terre va s'adapter. À ce stade, j'identifie quatre axes illustrés par quatre devises qui appartiennent à nos traditions. Être et durer. Le socle de l'armée de terre sera consolidé et ses atouts valorisés. La hauteur d'homme, le durcissement de l'entraînement, la communauté terre, tout ce que nous avons initié sera poursuivi pour affirmer notre identité de soldat et nos forces morales. Pour le service de la France, ne me dites pas que c'est impossible. L'armée de terre joue déjà et jouera un rôle accru pour développer l'esprit de défense et participer à la résilience de la nation. Nous élargirons notre offre au profit de la jeunesse et monterons en gamme notre réserve. Tous les champs de bataille. La modernisation Scorpion devient une réalité dans nos régiments. Sa pertinence est confirmée par les enseignements de la guerre en Ukraine. Nous développerons encore davantage notre réactivité et notre aptitude à être engagés en opération. De la gestion de crise, qui est la réalité de nos missions d'aujourd'hui, à l'engagement majeur, malheureusement possible demain. Enfin, en pointe toujours, pour faire face aux évolutions et aux transformations, pour faire face aux menaces hybrides, pour acquérir et exploiter la transparence du champ de bataille, nous serons créatifs pour innover. Le champ des possibles est vaste, nous l'explorerons. Quoi qu'il arrive, soyez certains que 2023 apportera son lot de coups de théâtre qui nous mettront au défi. Ensemble, nous y ferons face. Pour la France, nous resterons prêts à tout moment. J'ai une profonde confiance en nos forces pour surmonter les épreuves et surtout pour peser sur notre avenir au profit de la protection de notre pays et de ses habitants. Je salue chacun d'entre vous et je vous adresse ainsi qu'à vos familles des vœux très sincères. Bonne année 2023 à l'armée de terre.